Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé inconscient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Cauchemar en pire. Plus de 3 jours, et je dis adieu à cette ville.
Voilà, j'arrive. Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, je me prépare et je... Brad! Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir J. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. C'est comme Harkley, et en pire. Hey ! Attendez ! On est là ! Putain de merde ! C'est un cauchemar, c'est ça ? C'est pour que les personnes soient infectées ! Brad ! Attention ! Suis-moi ! Il y en a tellement ! Désolée.
Là-bas! Rendez-vous sur le toit du parking! Parking. Ok. Monsieur, est-ce que ça va? N'approchez pas! Laissez-moi tranquille! Allez, vous avez entendu? L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr! Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici! Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans! Monsieur, quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici! Dario Rosso! Ah ouais, je vois! Vous voulez me voler ma planque, c'est ça? Débrouillez-vous, ma belle! Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Ça craint rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah,
connard qui a fermé ça. Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre ? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec ? Non, merci. Je te laisse. Ah. Écoute, avec moi, tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi ? C'est une blague, c'est ça ? C'est vous qui avez causé tout oh, ça ? Oh, du calme. Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Tu viens ? Allez, c'est par là. Capitaine, cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire des maestres, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Mais je fais ça pour eux, pas pour vous. Hé hey, oh, on veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, super flic. Prends ça. On servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Carlos, t'es sorti de la station ? Presque. C'est quoi le plan, alors ? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche.
l'impression que je pourrais faire marcher ça en mettant... quelque chose à l'intérieur. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Jaillou. Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, celle qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. J'ai comme ça.
Ça doit être les bureaux de la compagnie de métro.
du BCS? Ouais, doucement. Me regarde pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends! Ah putain, mais ça va pas! Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça, Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UBCS? Vous vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune, quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Oh, cette odeur, on dirait... Oh, je veux même pas y penser. J'avais mes outils de crochetage.
Ok. Il n'y a plus qu'à activer l'alimentation principale.
Carlos, c'est Jill. Ça y est, j'ai rétabli le courant. Beau travail. Prochaine étape, le système de contrôle du trafic. Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro. Ouais, je crois savoir quel bâtiment c'est. Ah ouais? Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur d'avance, partenaire. On n'est pas partenaire. Carlos, je suis dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que je fais? Bien, maintenant faut que tu entres en itinéraire.
D'accord, une seconde. Ok, où est-ce qu'on va? Le train est arrêté à Redstone Street. On doit aller à la station Fox Park. Tu peux programmer ça? Eh, je suis super flic. C'est comme si c'était fait. Veuillez entrer un itinéraire. Impossible d'établir l'itinéraire. Veuillez réessayer. C'était quoi déjà ? Redstone Street à Fox Park. C'était quoi déjà ? Redstone Street à Fox Park. Quoi déjà ? Redstone Street à Fox Park. Itinéraire valide, confirmé. Carlos, c'est moi. J'ai fini d'entrer l'itinéraire du métro. Jill, t'es génial. Et Corias en plus de ça. Reviens à la station, on va s'assurer que le métro est prêt à partir. Thank you.
Bravo, super flic. Tu m'impressionnes. On peut partir ? Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nikolai, du nouveau ? Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle nous aide à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un boulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand il le faut. Eh, vas-y, Molo. Je t'aurais prévenu. Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. Oh putain, pas lui. C'est moi qui cherche. Je vais faire diversion. Hé, attends! Reviens, Jill! Non! Allez, viens, espèce d'enfoiré! Star, ce que tu veux? Amène-toi! Ça devrait me servir.